Je prends en compte l'avis des salariés. Avec l'aide de la CGT, je suis force de proposition. Je veux que mon travail soit utile techniquement et socialement. Être élu CGT, c'est porter un projet de développement des services publics accessibles à tous. En votant CGT le 6 décembre, je renforce toute la CGT. La diversité de la CGT en fait un espace d'échange et de construction collective d'idées et de revendications. La CGT a des propositions pour le développement des services publics, qu'ils soient hospitaliers, territoriaux ou de l'État. Elle est porteuse d'un syndicalisme de progrès social et de transformation économique. La CGT s'alimente de l'identité professionnelle de chaque catégorie, sans jamais renoncer à construire des convergences. Le statut de la fonction publique garantit l'indépendance du salarié par rapport au pouvoir politique. C'est cela que la CGT défend avant tout. Être élu CGT permet de faire le lien entre activité syndicale et réalité vécue dans nos structures. Votre choix pour ces élections sera déterminant pour votre avenir et celui du service public. Rien ne se fera sans vous. Votez CGT. Étant élu, je suis utile aux salariés dont je suis la représentante suite à une élection démocratique. Retraitée, je continue mon action militante avec la CGT et j'ai toujours le souci de l'intérêt collectif. Allez, votez CGT. Ce qui guide mon action, c'est la réalité du travail et des salariés. Les élus CGT veilleront à faire appliquer les droits et favoriseront l'émergence de nouvelles revendications des salariés des activités postales et de télécommunications. Les élections professionnelles du 6 décembre prochain sur les trois versants de la fonction publique sont dans tous les cas une priorité pour notre union départementale de l'Ariège, mais surtout et aussi pour l'ensemble de ses adhérents CGT. Voter CGT et surtout faire voter CGT le 6 décembre, cela nous permettra, vous permettra, une meilleure défense du statut de fonctionnaire. Mais cela aussi favorisera l'amélioration des conditions de travail des agents de la fonction publique. Et cela permettra le renforcement de notre syndicalisme de conquête avec ses valeurs et sa démarche. Cela aussi favorisera, et c'est important, me semble-t-il, la reconquête d'un service public de qualité. En obtenant un vote CGT massif le 6 décembre, on participera à l'efficacité de nos actions interprofessionnelles, tant sur l'emploi, sur les salaires, sur les pensions, sur les minima sociaux, sur les services publics et sur la protection sociale. Donc le 6 décembre 2018, je vote et surtout, je vote CGT.